Eh bien bonjour à tous et bienvenue sur Terraria Journey's End épisode 2 version 1.4 Final Mix édition, définitive édition. Oh oui, j'étais assis sur ma petite chaise, j'étais bien, j'étais posé, je ne savais pas que c'est possible. Apparemment on peut dormir dans les lits aussi maintenant, donc je suppose qu'on peut faire passer la nuit. Donc on m'a dit que le son était un peu trop bas la dernière fois, je l'ai augmenté. On va voir ce que ça donne aujourd'hui. Et que faisons-nous aujourd'hui dans cet épisode? Eh bien, je vous le donne dans le mille. Nous allons explorer. Mais avant ça, quand même, je vous montre très vite fait ce que j'ai fait. J'ai légèrement décalé les maisons. Je vous avais dit que je trouvais que c'était trop proche. J'ai réduit la taille de celle-là, histoire de faire plus de place et de pouvoir mettre deux arbres et peut-être un banc quand je pourrais. Et ce toit-là, voilà, je l'ai adouci. C'est pas vraiment le terme que je cherchais, mais ça passera pour aujourd'hui. En mettant des petits coups de marteau dessus, voilà. On va explorer aujourd'hui, c'est ce que j'avais dit. Je sais plus si on était déjà allé par là. Non, on n'était pas allé. On le voit à la carte. Si aussi, on m'a dit de mauvaise touche. Voilà, on m'a dit d'un petit peu zoomer. J'ai misclick sur le zoom. J'aurais dû échanger les deux. Le bouton zoom, en fait, est sur mon moins. Ouais, ça. Le bouton zoom est sur mon moins et le dézoomer sur mon plus. Ça n'a aucun sens. Mais là, du coup, on est un peu plus zoomé. Moi, j'aime bien être très, très dézoomé, surtout pour les combats de boss. Mais là, vu qu'on n'est pas en combat de boss, je vais rester... Et ni dans les caves, etc., où on a besoin d'avoir un maximum d'espace de vue. Là, on va un petit peu zoomer tout de même, histoire que vous voyez un petit peu mieux ce qui se passe. Ok, donc là, pyramide. Ça, c'est l'un des trucs que j'adore dans Terraria, c'est vraiment le fait que tu puisses découvrir autant de trucs planqués partout. En vrai, une pyramide, c'est bien. C'est rien d'insane. C'est rien d'insane, mais c'est cool. Et comme je le disais, c'est quelque chose que j'aime bien dans Terraria, c'est que tu découvres des structures juste comme ça, au milieu de nulle part, ou des coffres, etc. Et c'est cool, c'est cool. Mais maintenant, il est temps de devenir un vrai youtubeur. Il est temps vraiment d'être à 100%. Voici ma technique pour devenir un vrai youtubeur. Oh là là, les amis, j'ai découvert une pyramide. C'est trop insane. Mettez un like. Waouh, qu'est-ce que c'était ouf. Si par contre, on trouve dans les grottes une salle où il y a une épée au milieu qu'on peut retirer, déjà, vous mettrez un like pour ça parce que j'en ai jamais trouvé de ma vie et j'ai vraiment envie d'en trouver une. Et si en plus, on chope, je crois que c'est la Arcalis, l'épée la plus rare que tu peux avoir dedans. Si on chope la Arcalis, je vous jure que là, vous mettrez un like. Vous mettrez un like comme vous en avez jamais mis. Vous partagerez comme vous l'avez jamais fait. Vous mettrez... Vous tweeterez par rapport à ça. Vous me mettrez en tendance Twitter. Vous irez sur le Discord. Vous ferez tout. Vous ferez tout. Je vous le dis. Parce que ça m'est jamais arrivé, que j'ai vraiment envie de l'avoir. Et qu'en plus, je crois qu'il nous la faut si on veut la meilleure épée du jeu. L'épée finale, on peut l'avoir avec, en fusionnant plusieurs épées différentes. Je crois que je l'ai déjà dit, mais je le redis dans le doute. Et dont la Copper Short Sword, qui est donc la toute première épée du jeu. C'est pour ça que je l'ai gardée. Parce que je trouve ça assez beau que la toute première épée qu'on a, on s'en serve à la toute fin. Si jamais on a la foi de le faire et qu'on trouve les bons items. Parce que ça, c'est une toute autre histoire. Je savais pas qu'il y avait des lacs de lave à cette couche-là. J'ai peut-être juste pas eu de chance. Là, il y a plein d'or en plus. C'est pas grave, on ira miner plus tard. On va pas aller ici. Remontons. Petit problème, il fait nuit dehors et les zombies commencent à se taper l'incruste par mon trou. Attends. Oui, 2 minutes. On va peut-être refaire cette phrase, mais bref, c'est la merde. Il y a beaucoup trop de gens dans mon trou et je suis pas sûr de kiffer ça. Là, je vais me faire violer. Et ils peuvent passer sur les plateformes. Ok, très bien, j'apprends des choses et je me suis fait voler 2 or. J'étais riche. J'étais riche. Chose que je vais faire aussi, tant qu'il fait nuit, je vais mettre des tournesols un petit peu partout. Parce que, de souvenir, ouais, ça, ils réduisent l'apparition de monstres, ce qui peut être pratique vu qu'on est dans notre village. Et ils augmentent notre vitesse de déplacement. Et c'est surtout pour ça que je les veux un peu partout dans ma vie. C'est quand même une sacrée aura, les tournesols, j'ai l'impression. Ouais, là il vient à peine de se finir, c'est pas mal. Donc ça serait bien si on en avait plein. Peut-être aller sur une autre map pour en récupérer, ça peut être bien. Mais là on récupère aussi pas mal de toiles filantes. Donc à quoi ça sert pour ceux qui encore une fois ne connaissent rien au jeu? À faire entre autres les flèches de bouffon, qui sont des très très bonnes flèches qui traversent les ennemis, qui en plus font de la lumière, alors ça c'est magnifique. Et en plus de ça, ça permet de les utiliser dans le canon à étoiles, ce qui est plutôt logique. Et donc qui nous permettra de mourir. Ce qui nous permettra de tirer des étoiles, c'est assez puissant. Mais ça coûte cher, je suis pas très fan du canon à étoiles parce que ça coûte cher aussi en munitions vu qu'il faut farmer les étoiles. Donc pas très fan, mais deuxième utilité, dès que j'aurai respawn dans, c'est-à-dire une seconde, on peut les crafter en cristal de mana, en cristaux de mana d'ailleurs en l'occurrence du coup. Et paf, regardez mon mana en haut à droite. Et voilà, j'ai plus de mana. Et donc si je veux lancer des sorts, bah, ça va être très utile. Mais je ne peux pas pour l'instant, voilà évidemment, sans doute. Parfait, parfait, je peux me faire encore un cristal de mana, je suis presque à fond je crois. Ouais, c'est 200 le max. En une nuit, on est quasiment déjà à fond, ce qui est plutôt pas mal. Et j'ai toujours rien trouvé, la jungle. Les yeux de mes jungles, elles sont à droite.
C'est étonnant. Je me demande du coup si le donjon va être de ce côté-là. Bambou, donne-moi ça, je sais pas à quoi ça sert. Je pense que c'est juste décoratif. Ouais, c'est une nouvelle musique. C'est la musique de la jungle de nuit, j'ai l'impression. Bah, ça n'existait pas avant. Avant, il n'y avait pas cette musique. Et moi, il m'en faut peu pour m'hyper. Ok, c'est bon, j'ai pas mal d'HP. En vrai, je pensais que j'étais en train de crever. Ça va. Alors là, il y a une invasion aussi, je sais pas ce qui se passe. C'est beaucoup de slime. Après, la jungle, c'est compliqué de passer en même temps. Surtout avec le peu de stuff que j'ai, bah, je suis toujours pas stuffé en fait. J'ai des armes en bois, j'ai une armure en bois. Ça va être difficile de passer. Mais pas impossible. Alors je crois que ça pourrait être ma mort. Je dis ça comme ça, hein. Je suis pas persuadé. Mais je pense que je pourrais éventuellement être mort. Attendez, mais non, je trouve la technique. Aller sous l'eau, c'est la technique. Et c'est une victoire. Et je dois avoir plein de fric. Ouais. Donc il serait bien d'éviter de mourir. Ouais, mais j'ai pas le miroir magique. Hein. Comment je reviens chez moi sans le miroir magique? C'est une bonne question, ça. Oh, je suis de retour. Haha, et sans tricher. J'ai des korokos. Ça permet de se téléporter au spawn. Mais j'étais pas sûr. Et ça marche. Ça, je vous le dis, ça marche. Ok, nous revoilà dans la mine, du coup. Je l'ai dit, il faut qu'on mine. Là, ça va être nécessaire. Donc, continuons de creuser. Je suis en train de désespérer. Depuis tout à l'heure, je creuse, je ne trouve que du cuivre. Et là, oui, je sais, il y a un tout petit peu de plomb dans le cuivre. Mais il y a genre 5 plombs pour 30 cuivres, une connerie comme ça. Étant donné que j'ai tout ce cuivre, autant s'en servir. Autant qu'il ait une utilité, parce qu'il n'en a pas souvent le cuivre d'utilité. Autant qu'il me serve. Donc, ce qu'on va faire, c'est une épée en cuivre. Ouais, mais c'est pas beaucoup plus puissant que... Démoniaque, ok, donc elle est un peu mieux. Ouais, elle est un peu mieux, quoi. Et on va essayer de se faire une full armure. Ça va pas suffire. Non. Même pas assez de cuivre pour ça. J'ai encore oublié que je n'avais pas encore mis de corde. Aïe, aïe. Mais du coup, je vais dézoomer d'ailleurs tant que je suis dans les grottes. Parce que ça permet, bah, comme vous le voyez, ça permet de me voir plus de cuivre. Super, j'adore. Si tu me voles mes pièces d'or. Y a pas qu'un verre qui va mourir aujourd'hui, mais toute sa famille. C'est le slime qui l'a pris. Il a tout pris. On y va. Comment? Très bonne question. Je sais. Il me reste encore un peu d'argent. Boutique. Tu vends des cordes, toi? Ouais, il vend des cordes. Hop là, on est parti. Ouh, ça m'a coûté cher. Hop, on est reparti. Ok. Donc voilà. Espèce de sale petit slime. On va éviter d'insulter aujourd'hui. Nous serons kid friendly pour aujourd'hui. Je crois que j'ai déjà raté. Mais je ferai semblant. Merci. Rends mon fric. Et qu'est-ce que c'est que ça? Une fée? Pourquoi je peux pas l'attraper? Il faut une bouteille peut-être. J'ai pas de bouteille. Mais qu'est-ce que tu fais? Qui es-tu? Que me veux-tu? Qu'est-ce que tu veux? Tu fais de la lumière, c'est super sympa de ta part. Mais t'es arrivé de là-bas, il y a un truc là-bas ou non? J'ai pas l'impression. Qu'est-ce que tu me veux? Tu veux venir dans une bouteille, c'est ça? Viens, on va te trouver une bouteille. J'ai peut-être du sable à la maison. La petite fée est partie. Paix à son âme. Bon, elle est pas morte, mais... Qu'est-ce que j'en sais d'ailleurs qu'elle est pas morte? Elle est peut-être morte. Bon, enfin bon. Ce sont des choses qui arrivent. Allez, en avant. Bonjour. Oh. Très intéressant. Ah non, la violence. J'aurais peut-être dû ranger mon or dans le coffre avant de partir. Attendez. Cette chauve-souris brille. Elle brille en or. Viens là, toi. Viens là. Non, pas trop. Pas trop proche. Oh. Je pensais qu'il avait tout mon or. Il avait tout mon or, mais non. Il n'avait pas les magnifiques bâtonnets de poisson. Malheureusement, il n'en avait qu'un seul. C'est mieux que rien. J'ai envie de manger des poissons panés. Pourquoi? Je ne sais pas. Forêt champignon. Ouh, let's go. Ok, super. Ça va être utile. Ça va permettre de faire venir Truffle, qui est un PNJ de type champignon. PNJ champignon, il faudra qu'on fasse un biome champignon, mais à la surface. Comment on fait ça? Très bonne question. Je crois que... Ah bah, on peut y aller ici. J'avais pas vu. Je crois qu'il nous faut des graines champignons. Je ne sais pas comment on chope, mais on chope ici. Je crois que juste en tapant les herbes un peu partout, on en trouvera. Et on les met sur de la boue à la surface. Et ça nous fait un biome champignon. Et Truffle pourra y habiter. Je ne sais pas ce qu'il vend. Mais je sais qu'en hard mode, il pourra nous vendre déjà des items assez fun. Et de quoi faire, je crois, des barres de shroomite. Qui, je crois, sont
pas trop mal. Qui je crois même sont sacrément OP. Mais coûtent très cher aussi. Alors vous savez que ça c'est fun parce qu'en vrai dans cet épisode on a des trucs qui sont un peu liés. Parce que le biome champignon est... ouh, pas beau celui-là. Le biome champignon est... Attendez. Je sais, le biome champignon et la jungle, ils ont un rapport entre eux deux. C'est que tous les deux sont les seuls biomes qui font pousser leur herbe sur de la boue. Et donc les deux sont très très liés. Il me semble que si tu purifies un biome champignon, tu gagnes un biome jungle. Et tu dois pouvoir balancer de la poudre spéciale sur les jungles pour les transformer en biome champignon. Donc c'est-à-dire que tu peux réellement transformer toute ta jungle en biome champignon si t'en as envie. Mais on n'a pas encore l'item qui permet de faire ça rapidement. De l'or. J'aime l'or. Après tout, je suis youtubeur. D'ailleurs, en parlant de tout cet or et tout ce silver, ça me fait penser à quelque chose. Et pourquoi vous... Vous savez, quand je commence à faire ça, quand je commence à faire cette voix, à plisser les yeux et à faire des grands mouvements, c'est que je vais dire une connerie de youtubeur. Pourquoi vous ne vous abonneriez pas pour me rapprocher un peu plus du silver play button? Et je vais mourir dans mon argent. Ça, c'est une belle phrase de youtubeur aussi. Tant qu'on y est... Non. Oh, merci. J'ai pas montré cristal de santé. Qu'est-ce que ça fait? Regardez mes PV. Comme le cristal de mana, regardez mes PV. Attention. Et si j'étais intelligent au montage, j'ai timé ça comme un génie. Mais je sais pas. Don't kill me, please. Oh, you... Ok. Note pour plus tard, ne pas mourir. Ok, des champignons luisants. Mais c'est pas ça qu'il nous faut. C'est pas ça les graines de champignons dont je parlais. Est-ce que j'en ai déjà chopé? Non. C'était quoi ça? Une statue de grimace. Ça, c'est un nom exotique. Ouh, du saphir. Du saphir, il faut avoir l'œil. C'est pas mal, on pourra faire des arbres en saphir. Et ça me fait plaisir. Par contre. Oh, cœur. Ah oui, mais je l'avais fait au dernier épisode, c'est vrai que j'étais mort ici. On y va. Il y a beaucoup à explorer. Je sais pas combien de temps on va faire l'épisode. Ouh, Shroomrang. C'est nouveau? Je sais pas, mais ça a l'air nouveau. Bah, vu que j'avais jamais vu les champignons chauve-souris, de toute façon, pour moi, c'est nouveau. Mais attendez, mais ça fait toujours Shroombat. C'est pas un nom qui a été traduit, donc c'est sûrement nouveau. Et en vrai, comme boomerang, déjà les boomerangs, je trouve ça assez pas mal. Ça veut rien dire. Parce que ça fait des bons dégâts et ça, bah, c'est une munition illimitée. Et celui-là fait des très bons dégâts, il est plus fort que mon épée. Et en plus, il fait de la lumière. Je pense qu'il est vraiment bien. Cristal de santé. Super, un troisième d'ailleurs, je dis n'importe quoi. On se met bien, on commence à avoir quelques PV. Ça va être vraiment nécessaire pour l'œil de Cthulhu. Après l'infirmière pourra nous aider, parce que l'infirmière ce qu'elle fait, c'est que quand on lui parle, contre de l'argent, elle peut nous healer. Et donc c'est super pratique. J'avoue que je m'en sers assez souvent dans mes combats de boss. C'est un peu craqué, je sais. Mais en vrai, dans les derniers combats de boss, elle peut mourir très vite. Donc genre le tout dernier boss, j'ai pas réussi à le tuer, principalement parce que mon infirmière se faisait one shot. Mais c'est pour ça qu'en master mode, je sais pas si je peux le faire. Mais après en master mode, t'as des très beaux trophées si tu bats les boss. Donc j'ai vraiment envie de le faire. Vraiment, j'espère que cette série va marcher de ouf. Parce que j'ai vraiment trop envie de faire un master mode. Ça me motive. Hop, alors comment? Non, je vais me débrouiller là. Mais pas mal. Ok, on ira plus bas plus tard. Retournons dans le biome champignon, j'ai vraiment envie de... Dégage. Non, pas de fantôme, pas de chauve-souris. Rien, je ne veux rien. Non, merci. Je ne sais pas d'où tu viens, le fantôme. Je ne sais pas si c'est parce qu'il y avait une tombe. Logiquement, oui. Mais si tu pouvais partir, ce serait super. Je sais pas non plus comment on a le PNJ avec le bestiaire. Je pense qu'il faut qu'on remplisse un minimum le bestiaire. Et puis, à un moment, elle viendra pour nous faire des trucs, je sais pas, peut-être nous donner des infos sur les monstres. Peut-être que comme ça, on aura un bestiaire plus rempli. Peut-être qu'elle nous permettra aussi d'acheter des items spéciaux. Peut-être que plus on aura rempli le bestiaire, plus on aura des bonnes récompenses. Je crois d'ailleurs qu'il y a un truc comme ça. Mais j'ai survécu, donc tout va bien. D'ailleurs, dans les mods, il y a aussi un boss spécial crabe géant dans ce biome-là. Que là, il n'y a pas, du coup, il me semble. Qu'il n'y a pas de boss. Je suis même sûr qu'il n'y a pas de boss dans cette zone. Mais pareil, encore une fois, si la série marche bien, pourquoi pas faire une série en master, mais pas directement. Parce que la série en master va être très peu différente, à part qu'elle va être encore plus dure que celle-là. Et déjà, vous allez voir, celle-là va être assez violente, je pense. Et donc... Mais ça va être similaire, et j'ai pas envie de faire une overdose de Terraria. Donc je pense qu'on va alterner avec une autre série déjà entre temps. On va pas faire que du Terraria cette semaine, il va y avoir d'autres séries en plein milieu. Mais je pense que quand on aura fini celle-là, on passera sur des mods aussi. Si jamais ça marche bien, avant de passer en Master, on passera sur des mods. J'ai deux crânes champignons, c'est super. Histoire de pouvoir un petit peu alterner. Et puis il y a des très très bons mods sur Terraria. En plus de ça, maintenant sur Steam, tu peux télécharger directement tes mod loaders qui permet de télécharger des mods. Ouh, démonite. Ça sert à rien. Littéralement, ça sert à rien de récolter. Mais de toute façon, je peux pas. J'ai pas la pioche qu'il faut.
faut une pioche en or. Mais pour crafter des stuff en démonite, il faut tuer des boss. Donc ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien du tout. Parce que les boss drop de la démonite en masse. Donc vraiment, c'est plus une perte de temps qu'autre chose. Bref, avec tous les minerais que je trouve, je pense que je devrais pouvoir me faire un assez bon stuff en rentrant. J'espère du moins. Donc on verra ça. Mais en vrai, on reste bien aux champignons. Regardez-moi cette taille. Regardez-moi ça. Il est bien. Il est pas fini. J'ai pas terminé. Et en fait, voilà, je l'ai terminé. Il y avait rien d'autre dedans. Aïe, 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 aïe. Quel coup dur. Quel coup dur. Non, vraiment, c'est dommage. Moi, je voulais juste des beaux stuff. Je voulais juste des beaux stuff. Ouh, cristal. Crystal. Super. Ça sent la mort par ici. Ouh, coffre. Et bas. Crabe. Ah, une régénération très cool, ça. Deux ors, très cool. Mais j'aimerais pouvoir remonter. Dégage, crabe. Dégage. Va-t'en. Vrouh, disparaît. Disparaît, ville créature. Ok, non. Un autre santé. Très, très cool. Régénère lentement la santé. C'est très bien parce qu'en expert, tu régènes très lentement la santé. C'est très, très, très bon. Et moi, comme un mongol, je l'avais revendu la première fois que j'ai fait du master. Donc, comme quoi, on peut être débile. Petite astuce, évidemment. Bon, classique, hein, mais faites-vous un petit trou d'air comme ça, voilà, quand vous êtes dans l'eau. C'est très pratique. Ça permet de pas mourir. Ne me tue pas. Si tu me tues, je te tue. Ok ? Espèce de fourbe. Je t'avais prévenu. C'est un ouf ! Je me fais éclater. Je me fais éclater par un verre, hein, quand même. En vrai, ça va. Meurs. C'est fini. Oh, Walida ! Yes, parfait. Yes. Vous y croyez ça ? Que j'ai beaucoup plus d'or et d'argent que de plomb ? Alors que le plomb, c'est censé être l'équivalent du fer. C'est censé être moins bien. Et là, j'en ai vu plein ici, mais j'ai vraiment la flemme d'aller chercher maintenant. Ah ! Ah ! Donnez-moi ça. C'est confisqué. Je pense qu'on peut en rester là pour cette session de minage. C'était cool, on avait pas mal d'objets. Ouh, il peut s'asseoir sur la chaise. Ça, c'est cool. Mais du coup, qu'est-ce qu'on peut se crafter? Ouh, écoutez. Petite musique tranquille. Parce que nous sommes dans un village désormais. Nous sommes dans un village. Et donc, nous sommes bien. Désormais, nous sommes... Bien, vous savez ce que je vais faire? Je peux crafter un gland de saphir. Non. Si, je peux. Je peux, parfait. J'aurais peut-être dû trouver un endroit où les planter. On se fera une zone village dans les souterrains. Là, on a déjà un village ici, dans la forêt, donc pour l'instant, on peut en rester là. Mais le démolisseur, ce serait bien de le mettre sous terre. Et peut-être de trouver d'autres gens. Parce qu'on peut avoir aussi, apparemment, des animaux dans les villes. Je sais pas comment on les chope. Mais on peut avoir, genre, un chat, un chien, etc. Et j'aimerais beaucoup qu'on puisse avoir un chat ici. Et en plus, on va avoir des lapins minerais dans les souterrains. Je crois qu'on en avait vu un d'ailleurs, un minerai écureuil. Je ne sais pas si c'est des animaux de compagnie, ceux-là, je ne sais même pas s'il y a de différence. Mais j'ai vraiment envie de savoir. Ok, donc, c'est pas beaucoup d'or. Je vais me faire une pioche en or, en priorité. Oui, c'est beaucoup mieux que la pioche en cactus. Donc ça dégage. Et je peux encore... Alors, peut-être une épée. Non, un arc. Ouais, un arc, ça m'a l'air mieux. Je peux encore faire l'épée. En avant, voilà. Là, on n'est pas trop mal. Et l'armure, je la ferai en plein argent. Parce que là, je dois avoir assez d'argent pour faire l'armure, cependant. Ah, je suis pas sûr. En vrai, je suis pas sûr. Non. J'ai pas assez. Alors, mon stuff ne ressemble à rien. Regardez-moi ça. Il n'y a rien qui va ensemble. Rien du tout. Mais en réalité, j'aurais continué de miner s'il était de mon côté. Mais là, vu qu'on est en vidéo, je commence à manquer de temps, donc c'est pour ça que j'ai un peu coupé court au minage. En général, quand je ressors, j'ai un full stuff d'au moins de l'argent. Là, c'est pas de bol. Là, c'est vraiment pas de bol. Mais ça passe. Est-ce qu'on peut revendre? Alors, on n'aura plus besoin de cuivre maintenant. Ça se revend pas cher, mais je vais le vendre. On n'aura plus besoin de plomb. Et je crois que c'est à peu près tout. Quoique, si, le plomb, ça peut servir. Ça peut encore nous servir, donc on va en garder. Mais le reste... Ça ira pour l'instant, le reste ça ira. On a bien augmenté, on est beaucoup plus fort, ça devrait aller maintenant. On a presque ce qu'il faut pour le pylône de la forêt, ce qui servira pas à grand chose vu qu'on n'aura que ce pylône là pour l'instant. Mais il faut arriver à un bout de la map dans la prochaine vidéo pour y faire peut-être un village de la mer et pouvoir y mettre le pylône, ce serait très pratique aussi. Parce que ça nous permettrait de... Ouh, viens là toi. Hop là. Ça nous permettrait... Ouh. Désolé, je m'égare. Ça nous permettrait de nous téléporter instantanément à un bout de la map à n'importe quel moment. Après, ce serait bien que je l'ai au bout de la map où il y a le donjon. Donc si le donjon est ici, on mettra le village là. Si le donjon est là-bas, on mettra le village là-bas. Voilà, on va la jouer intelligemment.
Et ensuite, pareil, village des cavernes. Je pense que le mettre près du biome champignon peut être bien, mais c'est pas très profond non plus. Ouh, ça indique sur la map où est mon argent. Donc j'ai encore deux pièces d'or là-bas. Ça serait assez pour acheter le pylône. Il faudrait que j'y pense. J'espère que ça aura pas despawn la prochaine fois. J'y crois moyen. Mais bon, c'est un bon épisode, on a bien avancé. Et je suis assez content, on a pas mal avancé, on a vu vachement de trucs cool dans cette vidéo, et je pense que le prochain épisode sera encore mieux, parce qu'on fera sûrement le premier boss. Bref, sur ce, je vous dis à plus, à la prochaine. Zou!